Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Alors cette perfection, on pourrait dire que c'est la montée progressive vers... La perfection, c'est l'esprit. C'est le plus haut degré de l'esprit. Et curieusement, selon moi, le plus haut degré de l'esprit, eh bien, c'est le corps qui le vit, en fait. L'esprit, à ce moment-là, le plus haut degré de l'esprit, c'est un esprit vide, un esprit absolu, comme on pourrait dire. Et justement, on va travailler sur ce petit livre de Jean Hippolyte, Introduction à la philosophie de l'histoire de Hegel. Donc, en somme, l'humanité va vers l'esprit absolu, va vers le plus haut degré que l'esprit humain peut atteindre. Et cet esprit, c'est l'esprit extatique. C'est l'esprit qui arrive au degré de la contemplation absolue, du nirvana, de l'éveil. Peu importe comment on appelle cet état subliminal que connaissent très bien les grandes spiritualités. Toutes les spiritualités ont expérimenté, ont eu des sages, et ont eu des sages qui ont expérimenté cet état de transcendance, cet état de fusion avec le divin. On le retrouve dans le soufisme, on le retrouve dans le christianisme, on le retrouve dans le judaïsme, on le retrouve dans l'islam, on le retrouve donc dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans le zen, etc. Donc c'est un état qui amène l'esprit au zénith. Et quand l'esprit est vide de l'ego, en somme, il est plein de quelque chose qu'on peut appeler l'amour, en fait, mais il est plein, à mon sens, de cette énergie qui constitue tout l'univers, qui constitue la matière, qui constitue la partie immatérielle de la matière, de l'atome, du quark, du boson de Higgs. Cette partie immatérielle qui a donné naissance à l'univers et qui constitue l'univers, en fait, qui était avant le Big Bang et qui s'est projeté comme ça dans le Big Bang en faisant l'illusion de la matière que nous connaissons, eh bien, cette essence-là, cette immatérialité, se transforme lorsque elle est incarnée dans un corps en amour absolu, en sensation d'amour et en amour absolu envers tout. Donc, ce qu'on appelle l'amour, en fait, c'est cet état de cette sensation, la sensation d'amour, parce que c'est qu'un terme, l'amour, l'amour, je suis plein d'amour pour des choses, je ne sais pas, je suis en amour devant quelqu'un ou devant une œuvre ou devant... Bon, ben, c'est une sensation, c'est le terme, il essaye de définir une sensation qui n'est pas le terme. Le terme, c'est une chose, la sensation, c'est une autre chose. Et l'amour, c'est une sensation, c'est pas un terme. Voilà, on n'est pas, c'est pas quelque chose, c'est incarné l'amour en réalité. Donc, voilà l'idée selon l'idée de la mécanique universelle. Donc l'humanité va vers sa perfection. Il faudra quelques siècles encore d'évolution, mais on a fait la plus grande partie du chemin entre le moment où on s'est séparé des autres primates et aujourd'hui. Il y a des centaines de milliers d'années et des millions d'années même. Entre ce moment et aujourd'hui, on a fait la plus grande partie du chemin. Et là, on est au moment où l'humanité doit s'universaliser, curieusement. Pour la première fois, on sait que on connaît d'abord pour la première fois depuis même pas un siècle,
on connaît l'ensemble des êtres humains qui composent cette humanité. C'est la première fois qu'on a construit les structures pour fonctionner universellement, l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, l'Organisation mondiale du travail, du tourisme, etc. Donc toutes ces structures sont là, elles ne sont pas efficaces encore, mais elles sont déjà là. Ça veut dire que l'humanité, d'une certaine manière, a inclus dans son évolution tout le système pour pouvoir fonctionner universellement. On ne fonctionne pas encore universellement de façon globale et définitive. On est encore sur le national, mais l'universel est déjà extrêmement présent. On commence, il y a les tribunaux contre les crimes contre l'humanité, le tribunal international, on commence à juger internationalement, on commence à faire passer dans le patrimoine universel des choses très importantes, la mer, les mers, le ciel, l'air, les rivières bientôt, les forêts, etc. Tout est en train de monter dans ce sens-là. On voit bien qu'on construit cet universel. Et comme d'habitude, quand on passe un palier, il y a des réactions très violentes parfois et des réactions saines et logiques. Hein. C'est-à-dire que là, en allant vers l'universel, ça entraîne un paquet de réactions nationalistes, des gens à qui ça fait peur de ce passage à l'universel, parce qu'il faut perdre certaines de ses appartenances. Mais ça a toujours été comme ça. Les grandes religions, l'agglomération de petits groupes religieux qui se sont fondés, etc. Et à chaque fois, c'est difficile d'amalgamer, de passer à quelque chose de plus grand. Pour former la France, avant que la France soit la France, c'était des petits fiefs, les petits princes régionaux se sont battus, ne voulaient pas ça, etc. Il a fallu peut-être un siècle et se fédérer autour de batailles, de guerres, de conquêtes. Entre autres, je pense que les croisades, ça a été un moyen de fédérer ces petits princes pour qu'ils finissent par accepter d'aller user leur ego, leur pulsion, leur énergie, jusqu'au moment où après c'était possible de passer du régionalisme au national. Voilà. Et ça a été valable pour l'Italie, pour l'Allemagne, pour des tas et partout sur le globe, quoi, en gros. Donc, on en est là. Et donc, on va vers cette universalité. Alors, je vais juste commencer cet ouvrage-là. Je pense que je le développerai. Je vais le lire. Alors, je commence à lire. Je le découvre en même temps. Et je donne mon point de vue et surtout en fonction, à travers ma théorie. Alors, l'esprit d'un peuple, c'est le premier chapitre. Heureux, écrivait Hölderlin dans Hyperion, l'homme qui puise sa joie et sa force dans la prospérité de sa patrie, justement. L'individu, pour Hegel, n'est réduit à lui-même qu'une abstraction. C'est pourquoi l'unité organique véritable, l'universel concret, seront pour lui le peuple. Alors voilà, on va s'arrêter même là pour l'instant. Hölderlin et pour Hegel, l'appartenance, c'est pas l'individu, c'est le peuple. C'est le peuple qui donne la logique et la raison d'être. Et là, on voit à quel point un philosophe du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, il avait une pensée qui était logique par rapport au XIXe siècle. Hegel, aujourd'hui, parlerait, il ne dirait pas cette chose-là, il dirait l'homme, pour en lui-même,
réduit à lui-même, n'est qu'une abstraction. Ce qui lui donne du sens, l'unité organique véritable, l'universel concret, seront pour lui l'universel, seront pour lui l'humanité. Parce qu'on est passé à un autre degré. Aujourd'hui, la mécanique universelle dit l'homme, il ne trouve, moi, ma théorie, elle dit un être humain ne trouve son sens qu'à travers l'humanité dans son ensemble. Et pas un groupe avant. Mais ça, c'est tout nouveau, où on peut parler comme ça. À l'époque de Hegel, on devait parler nationalisme, on devait parler de peuple, de l'idée de peuple, une idée élargie sans doute, mais à ce niveau-là. Aujourd'hui, notre esprit, pour les philosophes, notre esprit est dépassé, a dépassé l'idée de peuple. Alors plus loin, tandis que Schelling voit dans la production de l'œuvre d'art l'intuition absolue, celle qui concilie le subjectif et l'objectif, le conscient et l'inconscient. Hegel, en écrivant à Iéna le système Der Schicklichkeit, substitue à l'œuvre d'art comme expression de l'absolu l'organisme concret de la vie d'un peuple. Voilà, donc pour lui, l'œuvre d'art, c'est le peuple. Et c'est très curieux parce que j'avais jamais lu et je connais Hegel pour avoir picoré des choses, mais je ne connaissais pas ça en profondeur. Et pour moi, la démocratie, c'est une œuvre d'art. Pour moi, l'universel, c'est une œuvre d'art. Le fait de penser l'humanité dans son ensemble, c'est une œuvre d'art. Et je comprends que pour lui, c'était ça passait à travers le peuple et il a analysé l'humanité à travers le peuple, à travers l'idée de peuple. À l'époque, c'était cohérent. Maintenant, on ne peut plus rester là-dessus parce qu'un peuple, il est rien par rapport à l'humanité. Un peuple, le peuple brésilien qui voudrait couper la forêt amazonienne, eh ben, tout le monde lui tomberait dessus. Il ne pourrait pas. Voilà, il n'est pas maître chez lui. Il dépend de l'universel. Et on est passé à un autre degré, au degré de l'universel. Et donc, c'est important, je vais arrêter là pour cette vidéo, c'est important de comprendre la logique. Il faudra analyser qu'est-ce qu'il y avait avant l'idée de peuple. Quelle était la... Sur quoi se basait, par exemple, Spinoza avant, ou se basait Saint-Augustin, ou se basait Platon. Quel était le groupe qui, pour lui, était le plus important? Est-ce que c'était la cité, pour Platon, avant que ça soit le pays, avant que ça soit la nation, avant que ça soit, etc. Pour Spinoza, qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était le pays? Est-ce que c'était la nation? Est-ce que c'était la communauté religieuse? Est-ce que c'était... Qu'est-ce qui donnait du sens à l'être humain? Voilà. En tout cas, aujourd'hui, ce qui donne du sens à l'être humain, c'est l'universel. Pour moi, voilà. Et les jeunes sont déjà dans l'universel. Alors, il y aura... les freins des réactionnaires, qui est important, hein, pour ne pas aller trop vite dans l'évolution. Donc, ils vont freiner, ils vont amener du nationalisme, on le voit en France, et c'est là où on voit à quel point la conscience, elle est réduite, même la conscience du chef de l'État, des gouvernements, la conscience des chefs de parti. Voilà, traditionnellement à gauche, il y a une idée d'universalité qui est là, qui a été donnée justement par le communisme qui voulait les choses universelles. Donc cette idée, elle se balade à gauche. Mais dans le traditionnel, ce qui a pris le pouvoir, hein, faut le dire, depuis 30 ans, c'est la droite. Ben, la droite, elle est extrêmement bloquée sur le national, sur... Son esprit est extrêmement étroit, finalement. Mais c'est légitime, ça freine un peu l'accélération de l'évolution. Voilà. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. Donc, si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt universel,
que ça mérite d'être diffusé. Vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez écrire des commentaires. Tout ça, ça augmente la visibilité de cet espace. Et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net qui est en ligne depuis 23 ans, 24 ans maintenant, et qui démontre ce que je viens de dire, qui essaie d'expliquer que l'humanité va vers sa perfection. Voilà. Merci en tout cas de votre présence et de votre bienveillance que je ressens.